Nous allons présenter maintenant une troisième variété d'amarante. Nous avions déjà introduit deux. Et ici, il s'agit de ce qu'on appelle en français l'amarante piquante, ou encore le nom scientifique Amaranthus spinosus. On dit encore épinard piquant. C'est ce que vous voyez juste en face de moi ici. Et qui est une petite plante rurale, hein, c'est-à-dire qu'on va trouver souvent auprès de lieux d'habitation, hein, là où les hommes vivent. Et la hauteur ne dépasse généralement pas les... Bon, ici j'ai quoi, 60 cm, en gros, hein, 60, au maximum 70 cm ici. Il y a certains pieds qui peuvent se développer jusqu'à 1 mètre, et donc c'est une plante pantropicale, c'est-à-dire qu'on va trouver un peu partout dans toute la zone intertropicale, et particulièrement en Afrique intertropicale. Et ça, c'est la variété qui est très connue, d'ailleurs plus connue des populations locales. Elle va se montrer souvent avec des tiges comme vous pouvez ici, plus ou moins rougeâtres, hein, là, tirant vers, on va dire même le rose, hein, quand on regarde la couleur. Il y a des endroits qui sont verdâtres, mais en gros la tige tire sur le rose. Alors la plante est généralement dressée, mais elle peut être ramifiée aussi dès la base. Si on regarde celle-là ici, là on voit, et donc celle-là s'est ramifiée déjà à la base, mais on peut trouver une seule tige principale qui émet de nombreuses branches après. Et quand on regarde la tige elle-même, bon, le caractère anguleux qu'on a pu constater sur Amaranthus hybridus par exemple n'est pas tellement marqué ici. La tige est plus ou moins circulaire. Et on peut donner maintenant les caractéristiques de la feuille, hein, de la plante. Ce sont des feuilles plus petites encore, hein, que sur le Amaranthus hybridus. Hein, on les voit là de forme... on va prendre une feuille pleinement développée, celle-là par exemple. Oui, celle-là. Si on prend celle-là, on voit tout de suite une forme plutôt... Considérons celle-là plutôt. Bon, il y a un tout petit peu de poussière là-dessus. Mais si on regarde la feuille, hein, on voit une forme plutôt... ovale, c'est-à-dire un peu élargie à la base, comme la forme d'un œuf, mais elle est aussi acuminée, hein, tendant un tout petit peu, c'est un peu pointu en haut, mais plus encore vers le bas. On dit que c'est acuminé. Les nervures sont assez évanescentes, là, c'est en dépression sur la face supérieure qui est d'une couleur vert foncé, tandis qu'en face inférieure, le vert est un peu plus clair, les nervures sont en relief, plus facile à compter là-bas d'ailleurs. Et on peut voir qu'à l'extrémité de la nervure principale, il y a une petite aiguille là, hein, qui est le mucron. Ici, c'est bien visible, le mucron. Il y en a un sur toutes les feuilles, hein. Là aussi, on peut voir. Il y a le mucron, il y a une petite aiguille au bout de la feuille. Et on peut compter le nombre de nervures secondaires, hein, par paire. Là, si je compte... Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une bonne dizaine de nervures secondaires, donc. Et la feuille de dimension à la base, hein, environ 4 cm ici, sur une longueur de 6 cm. Et je vois là 6 cm. Le pétiole est assez long, là. On peut voir un pétiole qui atteint aussi facilement les 4 cm. Et on voit cette couleur, disons, rosâtre qui apparaît sur le pétiole. Hein. Bien sûr, pour les feuilles plus petites, le pétiole est plus court et le limbe est moins large. Alors, si on regarde comment les feuilles sortent, pour comparer avec les autres amarantes, on voit une feuille là, une feuille là, une feuille là. Donc, c'est une disposition alternée. Alors, il ne faut pas se laisser prendre dans la confusion.
par le fait qu'à l'aisselle des feuilles, comme sur les autres amarantes, il y a les tiges secondaires, les rameaux secondaires qui sortent. On voit la feuille qui est là, par exemple, il y a un rameau secondaire qui va sortir à l'aisselle de la feuille. Et avec le développement de la plante aussi, eh bien, on constate quoi? Et ça va commencer à porter des fleurs, justement, à l'aisselle des feuilles, depuis la base, hein, tout le long de la tige, ces glomérules, ces regroupements, ces touffes, plus ou moins spongieuses que vous voyez là, sont en fait des fleurs qui vont apparaître à l'aisselle des feuilles. Même si c'est un rameau terminal, que, disons, à l'extrémité de la tige principale, que l'inflorescence en épi va se faire beaucoup plus remarquer. En ce moment, on voit ces groupes de glomérules qui vont s'empiler et former une sorte d'épi, hein, qui sont en fait les enveloppes de la fleur, donc qui sont de couleur verdâtre. Hein, on voit là, même si bon, la tige principale, l'axe principal qui les porte est plutôt rosâtre, comme on peut voir ici. Mais j'ai dit que sur certaines variétés, ça peut être verdâtre. Mais avant peut-être aussi de continuer avec les fleurs, il faut remarquer ce point essentiel, c'est que là, toujours à l'aisselle des feuilles, on voit deux aiguilles, deux épines. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça l'amarante à épines ou amarante piquante. Hein. Là, bien acérée, là, une épine, ça sort par paire. Donc ici aussi, on voit là, à la base, on voit là, une épine. Hein. Et donc si on attrape la plante, c'est ça qui va piquer même. Et ça n'existe pas sur les autres amarantes, permettant de distinguer clairement celle-là. Alors donc, la fleur qui s'est présentée va être, donc l'épi est de couleur verdâtre, comme on voit ici, nous avons déjà dit ça. Et lorsque ça tend vers la maturité, ça va tourner un peu au rosâtre. Donc on voit cet empilement-là. Maintenant, on peut collecter une partie. Je vais égrener ça comme un chapelet. Et je vais essayer de les écraser et de faire tomber dans ma main, n'est-ce pas, cette espèce de son. Et disons, on voit apparaître, hein, au milieu des graines noires, hein, noirâtres, qui sont en fait les graines mêmes qui vont servir, disons, à la reproduction de la plante. Il n'y en a pas beaucoup ici parce que c'est pas complètement à maturité. Donc si j'écrase, mais on le voit, quelques graines là, à peu près un demi-millimètre. Donc là, on voit les graines. Et donc ce sont ces graines qui vont servir à la reproduction naturelle de cette plante. Mais on peut les mettre aussi dans notre jardin, dans notre cour. Il faut savoir identifier ces plantes et il faut reconnaître aussi leur utilité pour les apprécier. Et en particulier, donc, cette amarante spinosus, elle est plus connue traditionnellement dans le milieu ici. Donc, les gens en savent les vertus, peut-être plus encore que les autres amarantes. C'est pourquoi, à la fin de cette vidéo, la liste que nous allons présenter concernant les usages en termes de médecine par les plantes, cette liste, vous allez voir qu'elle est un peu plus longue que les autres amarantes. Et encore une fois, c'est lié au fait que les populations ont acquis plus d'expérience dans l'utilisation de cette plante. En dehors de ça, c'est beaucoup employé aussi comme fourrage, hein. Certains donnent la plante aux porcs et bien entendu, qui savent bien se passer de la difficulté que présentent les épines. Et c'est peut-être aussi à cause de ces épines-là que les populations locales n'utilisent pas beaucoup ça pour la sauce. Parce que pour atteindre les feuilles qu'on doit découper là, donc de cet épinard, on risque de se faire piquer, hein, par les épines. Cela expliquerait pourquoi. Sinon, c'est signalé comme un laxatif très bon, doux, n'est-ce pas? Et donc, maintenant, ce que nous avons donné comme caractéristique ici devrait pouvoir permettre de reconnaître très facilement Amaranthus spinosus, que nous encourageons tous à pouvoir introduire dans leur environnement. C'est une plante qui pousse assez facilement à partir de ses graines, qui se présentent comme une espèce de sable. Et on peut recueillir abondamment ces graines et les placer là où nous voulons, dans notre jardin, que ce soit un jardin potager ou bien un jardin de cour.
Maintenant, nous allons donner le nom de la plante dans quelques langues locales. Alors, chez les Malinkés, qu'ils soient localisés et appelés Dula au Burkina Faso, ou encore Mandinka au Mali, ou bien Bambara, que l'on trouve également en Guinée, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, dans la langue des Mandés ou Mandinka, eh bien, cette plante, qui est l'amarante spinosus, eh bien, est appelée Boron, voulant dire amarante, et Ngonima voulant dire qui porte des épines, hein, à cause de ces doubles, de ces paires d'épines qui se trouvent à la base des feuilles. Alors, donc, maintenant, au Burkina Faso, les Mossi vont l'appeler Kukuru Gwanga, qui veut dire épine des porcs. Au Bénin, les Adja vont appeler ça Legwagwe. Et en fond, on va dire Togba. En Côte d'Ivoire, en Guéré, on va dire Nyonzan. Hein? Et bien, en Guinée, disons, les Sosou vont l'appeler Tugé Matumbe. Tugé Matumbe. Au Togo, en Ewe, ils vont l'appeler Tetesou. Ou en Mina, Esogbe. Voilà donc quelques noms que nous avons, c'est pas exhaustif, hein, quelques noms que nous avons pu tirer de la littérature pour désigner cette merveilleuse petite plante qu'est Amaranthus spinosus.